y a une caverne, figurez-vous. Un truc de voyage rapide. Mais quelle est cette infamie? Que se passe-t-il ici? Ça n'a aucun sens, allons voir. Des gens qui vivent ici? Comment ça s'appelle? Je ne sais pas. Allons voir. Allons buter de la goule. Ou du spectre, c'est du spectre. C'est soit l'un, soit l'autre. Allez, viens. J'ai une nouvelle armure, je m'en fous de toute façon. Je fais ce que je veux maintenant. J'essaie même pas de me toucher tellement... Tellement ils sentent la puissance. Des champignons. Bon, on sauvegarde donc quand même. Pas trop faire les kékés. M'a pas vu. Bah, téléporte-toi, ça ira plus vite. Qu'est-ce que tu fais? Je viens à toi, c'est ça? Vas-y, hein, je viens à toi. Ah, il m'a touché. Enfin, il m'a touché, il m'a tellement fait des dégâts, c'est comme s'il m'avait pas touché. Ah là là! Tiens, regarde. Quoi? Mais. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'il m'a fait? Ah d'accord, je mets des droites. Parfait. Bon, bah, je mets des droites au sport maintenant. Miracle le boxeur. Là, faudrait que j'aille affronter le sergent à la boxe. Histoire d'être déclaré champion du monde de Vélène. De la torche. Que utiliser? On va l'utiliser pour voir. Voyons voir ce que ça fait. Elle est où la torche? Elle est là. Équipée. Ah, d'accord. D'accord, d'accord. Et hop. Et je peux me battre? Ah, je peux pas. Je peux pas tout faire en même temps. Mais c'est la classe. Bon, il a fait que je sois niveau 10 pour essayer, mais... Tape un jour. Ah, je peux faire d'attaque puissante quand je porte une torche. Ah, c'est intéressant, ça. Je suis où, là? D'accord, je suis revenu à l'entrée. Ok. Mais on est d'accord que... On est d'accord. Ok. Bah, alors... Putain, c'est vachement bien une torche, hein. Un cul-de-sac. Une vieille femme... pas une femme. Je sais pas trop ce qu'elle fait là. Mais elle est là. Alors, Quen. Ouais, voilà. Il y a des drôles de bruit. C'est les noyeurs, ça, non? Non. Ça, c'est un spectre, hein. Comme son nom l'indique, c'est écrit dessus. Oh, je régénère de la vie, quoi. Comment c'est la fête? Comment je... Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est ma torche! Ah, merde, ma torche, elle déclenche les... Ah bon, on la range, alors. Ma torche déclenche le gaz. Ah, ils ont pensé à tout, les gars. C'est beau, quand même. Bah, fallait y penser, hein. Bah, oui. Gaz de merde. Hein. Super. J'aime pas ça. Quand ça revient vite, en plus. Hein. Lumière. Alors c'est quoi qui se cache là-bas? C'est de la goule, ça? De la goule de merde, hein. Ah, quand même... comme se protéger, au cas où. Je peux ressortir ma torche, là, parce que... Voilà. On y voit quand même plus clair. Ok, du loot, hein. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Oula, c'est quoi ce truc? Non, je te connais pas, toi. Qui es-tu? Que... Un quoi? Un vieux vampire de merde? Attends, je pensais pas qu'il y avait un boss. Alors...
Alors. Zbim. Attaque ta torche, s'il te plaît. On va faire un combat à l'aveugle. Voilà. Tu donnes bien en plus, c'est bien. Ah, tu prends cher, hein. Bah alors, tu tapes pas. Ah, tu tapes, ça y est. T'aimes pas le tour, on dirait. Et bah, ça tombe bien. Parce que j'en ai. J'en ai pour toi. Bon, tu m'as fait peur, mais en fait, t'es naze. Donc, c'est bien. Mutagène rouge, mutagène Dekem. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec ça? Des armures? Des armures en peau de monstre? Oh, ça serait trop bien. Ça serait trop bien, mais je ne pense pas. En même temps, à quoi ça servirait? Bah, c'est pas faire des potions, remarque. Faire leurs élixirs. Les élixirs diverses et variés. Journal du sorceleur Georges. Chasse au trésor. Équipement de l'école du griffon. Oh là! Schéma! Ah merde! Ah bah! Ah d'accord, ah bah j'ai trouvé tous les schémas. C'est cool. C'est cool, c'est cool. Donc c'était une quête en fait. Et oui, mais vu qu'on voit pas les quêtes sur la carte, il faut les sélectionner de manière manuelle, n'est-ce pas? Jean-Luc Sorceleur Georges, alors qu'est-ce que tu racontes? Est-ce que tu racontes ta vie? Est-ce que c'est long? Est-ce que je peux l'ouvrir? Merci. Ayant ouï dire qu'un dragon rôdait à Velen, je m'y rendis tout à fait cessante. Et là, je fus retenu dans ma traque par les préfets de Gors Velen. Ils me convoquèrent en tant qu'expert dans une affaire de naufrage à répétition prétendument causée par des spectres de minuit. Tss. Un dragon qui ravage le pays devrait passer avant les soucis de marine marchande. Heureusement, l'énigme du phare solitaire rapidement résolue, je pus recourir après le dragon. Je pus courir tout court. J'appris que les paysans du village ravagé avaient trouvé refuge dans les catacombes elfes sous le lac de Windhammer. Sage décision. Mais ces Russes n'avaient pas pris assez de bois. Pour se chauffer, ils ont brûlé des manuscrits elfes. Mon cœur saigne quand je pense au savoir du peuple des zones ainsi parti en fumée. Enfin, quelques manuscrits ont été épargnés, dont certains schémas d'armure du plus haut intérêt. Mais assez avec cela. Rapport des témoins oculaires, écailles cendrées, deux bras sous garrot, cinq bras de long. Addenda, poids estimé à environ 14 quintaux. Capable de maintenir une température de souffle élevée. Poumon de dragon. Plus d'un quart d'heure, d'accord. Conclusion, nous avons affaire à un dragon vert. Début de la traque. Donc... Alors qu'est-ce que c'est que ces schémas là qu'on trouve? C'est pas elf quand même, rassure-moi. Rassure-moi. Artisana, où es-tu? S'il te plaît, merci. Dépêche-toi, c'est là. Alors, botte du griffon. Niveau 8, oh, je peux la faire. Il manque quoi? Essence de monstre? Bon, ça je peux en faire. Ensuite, on va avoir une belle armure toute neuve. Gantelet du griffon. Oh, plus 9 en armure. Ah, c'est intermédiaire, d'accord. Ça je peux faire direct. Schéma portant de l'école du griffon. Pa, pa, pa. Et armure de l'école du griffon. Intensité. Bah, elle est moins bien. Elle est moins bien. Bah, merde. Bon, on verra. On verra bien. Ça me chagrine un petit peu si elle est moins bien quand même. Ouais. Sors ta torche. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? C'est un elfe? Il y a quelque chose ici. Je dois utiliser l'œil. L'œil. Ça tombe bien. Je devrais utiliser l'œil. Ouais, c'est la sortie. C'est un raccourci. Raccourci. Oula. Qu'est-ce que c'est? C'est une vache? On peut l'examiner? Tu ne veux pas. Pourquoi est-ce rouge? Pourquoi ton sens de sorceleur s'affole-t-il? Bon, je ne sais pas. Bon, voilà. Eh ben, on n'a pas perdu notre temps, hein. Ça fait zizir. Grotte du feu de dragon, très bien. Donc moi, je vais à Valtilleul, hein. Tout à fait, la quête est là. Eh bien, j'y vais, séance tenante. Comment je parle bien? Range ta torche. Tu es ridicule, il pleut. Enfin, il pleut. Bon, il pleut pas. Il écrit pluie, mais il pleut pas. Ah, des harpies! On va aller voir. On va aller faire connaissance avec les harpies. Voir si c'est costaud ou pas, cette merdasse. Il y a un nid là. C'est pas sur ma carte? C'est ça que je dois aller voir ou pas? Je suis complètement perdu. Bah non, même pas. Bon, bah il y a un nid comme ça. En mode. Tiens, si on mettait un nid. Ouais. Ah, t'es bien. Ouais, dis donc. Encore? Ah, ah. Bon, écoute, hein. Voilà, 3. 6 SP. Merde, dis donc.
Ah, c'est fourbe. Ah, c'est fragile par contre. Attends, je vais leur faire du vent dans les ailes, moi, tu vas voir. T'es où? Ah, bouffe. Telle une mouche. Ah, mais c'est faiblard. Oh, je suis dessus. D'accord, toi, attends. Bouge pas. Je dis bouge pas. Voilà. Ouais, tu leur mets un coup, personne, quoi. Ok, du mutagène. C'est très bien. Bon, le nid, là, on peut le péter, on peut le brûler, on peut le fouiller. On peut le fouiller. On peut le détruire. On ne peut, hein. Eh bien, tant pis. Oh là là, la blette qui escalade des montagnes, maintenant. Qui apparaît du bord des corniches. Qu'est-ce que c'est beau. Tu passes là? Bien sûr que tu passes. Ah, là tu passes pas par contre. Bon bah on fait deux hein. Oula, il y a du loup là. C'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Niveau 3? Mais pourquoi vous êtes là? C'est qui? Oh putain. Ah mais pauvre, fallait pas faire ça. Toi là-bas, toi tu vas prendre cher l'archer. Tu as mis deux flèches. C'est deux de trop. Trois flèches, quatre flèches. Attends, je ne sais plus. Eh hey, mais arrêtez de parer, sérieux. Toi mon con. Tu vas te calmer. J'arrive tranquillement. Allez. Voilà. On commence à avoir marre des archers quand même, ça va, t'as. Comme des malpropres. Hein. Falloir que j'achète. Que je prenne la compétence pour parer les flèches, là. Bon, en même temps, en plein combat, j'aurais pas trop le temps, mais pour le principe. Bon, qu'est-ce qu'ils ont fait là? Ils ont tué, putain, les salauds. Ils ont tué comme ça gratuitement. Pauvres marchands. Les pauvres. Ah, je suis surchargé. Je n'avais pas vu. Je suis loin du truc. Hein. Ouais, je suis carrément loin. Allez, Ablette. Porte-moi. Je compte sur toi. Manger un peu de miel. Pour se mettre. Pourquoi tu t'arrêtes? Arrête! Arrête de t'arrêter! Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un campement? Un campement dépouillé? Ou un campement déjà dépouillé? Déjà venu. Déjà venu là quand même. Non, c'est qu'il n'y a rien. Bon bah si, il n'y a rien, il n'y a rien. Hein. Alors, un monstre. Un monstre se terre en ces terres. C'est beau. C'est beau ce que je dis. Ah, c'est un ours. Le pauvre nounours. Le pauvre nounours. Épée d'acier pour un ours. La roulade. T'as une drôle de couleur, dis-moi. Tu es malade? D'accord. Bah tiens, écoute, pendant que tu cries, moi je te tape. On voudra pas, mais... Avec mes deux épées sont pétées, en fait. Hop là. Ah, tu touches. Hein. Ah, tu fais mal. Hein. Oh là, je t'ai vu venir. Hein. Tu me présentes ta croupe. Hein. C'est la saison des amours. Tu es donc une femelle. Ou alors un mâle aux mœurs étranges. Ok. Ablette, au secours. Mais il se barre. Non, il revient. Il est parti se soigner. Comment il m'ignore. Je rêve. Oh, qu'est-ce que tu fais? Il fait sa sieste. Non mais l'irrespect quoi, l'irrespect total. Hein. Tiens, t'apprendras. Non, faut pas se foutre de la gueule du monde, le mec. Enfin l'ours. Voilà. Genre il fait sa sieste, on est en train de se battre quoi. Épée de la brigade de Slaughter. Très bien, encore une épée. Une épée d'elfe. Vu la forme. On va regarder ça tout de suite, quand j'arriverai à me sortir de là. Bravo. Ablette, tu viens pendant que je regarde l'épée s'il te plaît? Alors, où est-elle, c'est ce truc-là?
Épée de la brique. Putain, ça fait plus mal que la mienne. Voilà, voilà. 33 perforants. Plus 4% d'intensité du signe d'ard, de la daube, 10% de chance du coup critique. Ouais, voir. Joli. Non, t'es immonde. Je ne veux pas de toi. Y'a un truc à looter? Non. Oh, c'est bizarre, on va aller voir. Quand il y a du pont... Ah, je peux pas sauvegarder. Ah si. Quand il y a du pont, il y a du troll. Il y a un vieil adage. En même temps, vu la gueule du pont, il y a un grand monde. Voilà, vous voyez? On a bien fait de s'arrêter. Ah bah oui, ma parole en plus. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Carreau explosif? Des flèches. Flèches magiques. Alors, le fossoyeur, la veuve joyeuse, allons voir, qu'est-ce qu'il veut ce fossoyeur? Où est-il? Je ne sais pas qu'il y avait un cimetière, je ne me rappelle pas l'avoir vu. Maman dit que si je suis gentil, elle m'enverra sur le sentier des douceurs. Pardon, si tu savais. Toi, je te parle de là, je fais ce que je veux, et je me téléporte devant toi. Gérald, en toute puissance. Je viens pour le contrat, allez. Je viens pour le contrat. Vous avez un problème, on dirait. Les tombes ont été profanées. Si c'était que ça. De temps en temps, une sale bête vient rôder près du cimetière, dévore un macabé tout frais et s'en va. Ça a commencé il n'y a pas longtemps. Je me suis dit, traîne pas dehors la nuit et barre bien ta porte. Mais voilà qu'un marmot a disparu. Au cimetière? Non, au village. Le pauvre gosse. Jamais il serait venu ici tout seul. Et cette nuit-là, j'ai entendu comme pleurnicher. Et vous n'avez pas jugé utile de sortir vérifier? J'ai l'air d'une buse? Les monstres, je laisse ça aux sorceleurs. T'as un peu l'air d'une buse, c'est pourquoi je vais marchander avec toi. Parlons un peu de ma prime. 240, non. Je veux 62 de plus. Et pas une pièce d'or de moins. Ça fait beaucoup. Beaucoup trop. En effet, je t'ai agacé assez rapidement. J'ai cet effet chez certaines personnes. Ouais, 32 plus, allez, c'est bon, 31, 31, ça va. Tu non plus? C'est encore un peu cher. Mais on se rapproche, on se rapproche. Le marchandage, c'est tout un art, vous ne trouvez pas? 269? C'est tout. C'est encore un peu cher. Mais on se rapproche, on se rapproche. Le marchandage, c'est tout un art, vous ne trouvez pas? Ah, tu m'agaces, tu m'escagaces. Allez, dis, 20, allez, c'est bon là. Toujours pas. C'est encore un peu cher, mais on se rapproche, on se rapproche. Le marchandage, c'est tout un art, vous ne trouvez pas? 15 pièces d'or supplémentaires. 15 pièces d'or, c'est quoi 15 pièces d'or pour toi? Hein? Voilà. Quoi? Non. Ça va pas, non? Je vais vous dire moi ce que je peux que vous de rapia, mais que de rapia quoi. Bon allez. Je vais tâcher de voir ce qui s'est passé. Je devrais refuser. Barrez-vous. J'ai mauvaise humeur. Cet argent que je perds. Ah, faut que je monte. Mais je suis déjà allé dans cette petite chapelle. J'y avais trouvé des... non, c'est pas une chapelle, qu'est-ce que c'est? Si, c'est la petite chapelle. Il y a des monstres maintenant. Des lapins. Des loups. Qu'est-ce que c'est? Les chiens, je ne comprends pas, qu'est-ce qui se passe ici? Tiens! Allez, fuyez devant le feu. Non mais, ouais, vous voulez ça tous les jours. Eh bien, allez chien. Chien fou, chien enragé. Attention, attention, les chiens qui brûlent. Bon allez, il suffit. Assez joué. J'aime bien jouer avec les tout. Pour les ghouls profanent une tombe, l'odeur de putréfaction attire les chiens sauvages. Ça serait donc une ghoul. Ni les chiens, on enlève les enfants. Ça serait donc pas une ghoul. Hein. Ou alors une sorcière qui a une ghoul apprivoisée. Et qui vient nourrir ici. Je mène l'enquête, ne vous inquiétez pas. Tout est sous contrôle. Donc là, il y avait les œillères dans ce coffre. Donc il n'y a plus rien, forcément. Je mène l'enquête et je trouve quelque chose. Qu'est-ce que c'est? La terre a été retournée, mais sans outils. D'accord. Quoi d'autre? Allons voir derrière.
te sens bien derrière. Ah. La tombe a été retournée récemment. Pour autant, l'odeur de cadavérine est ancienne. Rance. Où va me conduire cette puanteur? Suivant la piste. Pistole factive. Parfait. C'est par là. Je vais m'assurer qu'il n'y avait rien d'autre. Hop, 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 hop. Attends. Oh là, où est la piste là. D'accord. Il y a une bait. Il y a une bait près du pont. Et on va devoir descendre, on dirait. Non ? Ah, c'est un ours. Faut que je saute ! Oh là là ! J'adore sauter. Ma passion. Hop là. Facile. D'accord, c'est une ghoul ninja donc. Très bien, je savais pas que ça existait. On va voir. On va voir. On va trouver. Une cabane. Il y a une cabane ici. Il y a quelqu'un dedans? Non. Rentrons. La seule bête qui vit ici a choisi un drôle d'endroit pour sa tanière. Mais qu'est-ce que c'est? La créature utilise des outils. Elle est donc intelligente. Ou au moins habile. Quelqu'un a cuisiné. C'est un fémur humain. Un fémur d'enfant. Sympa. Des crânes humains dans un cercle magique. Le monstre les utilise pour puiser des forces du site d'énergie. Sûrement un guenot sépulcral. Elle utilise les crânes pour puiser l'énergie. Cela l'a rendue suffisamment sûre d'elle pour s'aventurer au village. On doit prendre les crânes pour l'obliger à retourner au cimetière. Déjà, là, c'est pas loin, hein. Je lui tomberai dessus, là-bas. Peut monter ou pas? Voilà qui devrait l'énerver. Il ne reste plus qu'à patienter au cimetière. Elle s'y rendra sûrement à la nuit tombée. La guenode. Bon, on va l'attendre. C'est la fête. On va y retourner un cheval, hein, parce que ça va bien. Ah, j'ai pas fait réparer mes épées, dis donc. Oh, on s'en fout. C'est qu'une guenode, c'est pas bien méchant. Où qu'elle est laide. Sale voleur qui pique mes crânes. Mes crânes à moi. Il a qu'à déterrer les siens. Et la voilà. Fourbe veuve. Qu'est-ce que c'est que ça? Par contre, j'ai pas sauvegardé là. Parce que bon, c'est quand même une quête niveau 10, donc. Donc, bon, en même temps. Elle me jette rien. Oula, tu me jettes rien à la tronche, là, c'est bien, c'est gentil ça. Tu m'aimes, ça? Je dirais que tu t'en fous. Bon, ça va. Ça va, c'est du caca apparemment. C'est du caca, ça ne sait pas que je parle. Ouais. Tiens! Et tiens! Alors? Tu m'aimes? Oh, plus chier! Ouais. Oh, elle a une langue! Elle a une grosse langue! Qu'attendons-nous? Loin de sa langue. Bien. C'est le camp. Ah bah t'es moins dur que le spectre, hein, y'a pas photo. Tu fouettes l'air, tu fouettes. Oh la vache, t'es mal. Ok. Hirondelle, à mon secours. Hop là. Passer derrière avec l'attaque critique. Super. Ah oh, oui, super ce que je fais. Oh là, je me vends du rêve. Quelle maîtrise de la roulade. Oh la vache. Elle va me tuer. Tu vas me tuer, Moru. Pas le droit, hein. Non, t'as pas le droit. Attends, coup critique là. Voilà. Ah, même pas. Bon, c'était chaud. Finalement. On a failli se faire tuer. Ou une épée. Ou un trophée de guenode.
Coupons-lui la tête. On va te dépecer comme une truie sauvage. Ta tête est mienne. Elle est dans le petit sac, là. Ah, ça fait quoi? Plus 5 aussi? On s'en fout, donc. Que 4x. Pénible à changer à chaque fois. Bon. Allez chercher ma thune. C'est parti. Yep. Ah bah il est déjà là. Enfin il est encore là. Je viens pour le contrat. Bah c'est fini non? C'est pas fini? Je viens pour le contrat. Et? Problème réglé. C'était une guenote sépulcrale qui profanait les tombes. Et qui a enlevé le petit. Je vois. Et comment va-t-il? Il prend un bain. Il prend un bain. Bon, on va lui raconter les détails. Hein. Je l'ai trouvé dans la tanière de la guenode. Dans son chaudron, plus précisément. Il vous faut des détails. J'en avais déjà trop dit. Et ma récompense? Oh, j'ai pas oublié. Tenez, en vous remerciant pour le coup de main. Adieu. Très bien. Alors, cette épée, qu'est-ce qu'elle a de beau? Elle est belle. Oh la vache. Alors, plus 9 dégâts. Intensité, plus 10% de bonus dégâts critiques, excellent. 1% de chance de coup critique, plus 1% de chance d'infliger du gel. Alors, c'est bien ça. Allez, on la prend. Ouais, on la prend grave. Oh, elle est belle. Allez, Ablette, on se barre d'ici. La marre de ces pecno. J'ai envie d'aller me faire le forgeron qui m'a battu au Gwent. J'ai envie de me venger tout de suite maintenant. Là, comme ça. Je suis un ouf. Toi, il est où? Il est là, je vois. Je pourrais peut-être faire la mer du griffon en plus comme ça. Je sais plus ce qu'il fait. Lui, il s'est fait des épées ou quoi aux caisses. Voilà la maison de mon ennemi juré. Tous les impurs brûleront dans les flammes du feu éternel. Il est là. Il est là. Vengeance! Vengeance, mais d'abord. Armure du griffon. Alors, vous avez un défi intéressant à me proposer? Armure du griffon. Vous êtes en veine, j'ai un travail spécial pour vous. Formidable! Vous n'allez pas être déçu, croyez-moi. Voilà, ça c'est fait. Bon, armure du griffon. Zbim. Allez, bottes du griffon. Les gantelets du griffon. Oh là 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 là. Le pantalon. Oh, c'est de toute beauté. Oh, je suis beau. Je suis magnifique. Si je pouvais rentrer dans l'écran, je me ferais des bisous, je crois. Ah, on voit pas ça tous les jours quand même. Hein. Ouh, bah voilà, là c'est assorti. Il y a un petit côté noble en plus, j'aime bien. J'aime bien. Ça répand le défaitisme et la désertion. Bon allez, maintenant qu'on a une nouvelle armure, on va terminer de choper les schémas. Les schémas. Pour l'équipement de l'école du griffon, donc on va les voir. Allez, voilà. Oula. D'accord. Attendez, je suis. Téléportation, ça surprend. Bon, on va se soigner, hein. De toute façon on a plus de vie. Alors on va aller voir ce que ça vaut maintenant ces bestioles là. Maintenant que j'ai un niveau un peu plus élevé. J'ai des problèmes toi quand j'étais niveau 7 là. Allez. Allez, ça dégage. Ça brûle bien ça. Ça a le même goût que le crabe, je suis sûr. Bon alors. Où est-ce qu'ils sont ces équipements? Ces schémas plutôt. Ah! Qu'est-ce que c'est que ça?
Je veux lire. C'est ça ou pas, c'est ça. Ah merde, mon épée est cassée, je l'ai même pas fait réparer. Alors, du livre calciné, seul demeure quelques pages intactes. Ivis, I... Ah d'accord. Ah, il a cru qu'il pouvait lire, mais il peut pas lire. Ok, c'est de l'elfe. Un truc comme ça. C'est pour une quête. Quand on trouvera... Partons voir la gonzesse, la sorcière, la cairne, machin. De toute façon, faut qu'on retourne la voir pour prendre un bain avec elle. Ça sera fait en temps et en heure. Ça peut brûler, ça ? On peut pas. J'entends des cris étranges. Sauvegardons, sauvegardons, on sait jamais. Qu'est-ce que c'est que c'est des bestioles qui couinent comme ça ? Ah, des harpies ! Cool. Allez, voilà. Ouais, bah écoute. Ah non, il me touche. Allez. C'est tout bidon les harpies, c'est cool. Hein. Tu peux t'envoler ? Non, tu peux pas ? Tout moche, hein. Là, t'es toute moche. T'es toute moche, t'as quelle tête exactement? Ouais, c'est vaguement... ça a une tête vaguement humaine. Hein. Ah, faut le dire vite, quand même. Qu'est-ce que c'est que ça? Fais gaffe, j'ai une arbalète. Regarde. Ah. Eh, j'arrive! Ah, on peut pas sauter quand on a une épée. Quel dope. Ah bah voilà. Niveau 5, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi t'es là? Hein? Ah, tu sais pas non plus ce que tu fais là. Je te renvoie au paradis des harpies. Ah, ça, c'est mon château maintenant. Oh, les autres ont déjà été allumés. Incroyable. Bon, alors, c'est bien beau tout ça, mais je n'ai pas trouvé ce que je cherchais. À savoir le schéma. Le schéma de l'école du griffon. Ouais, c'est un nid, ça? Allez, dégage le nid. Posas. Oh, on dirait un chevalier avec, avec cette armure. Bon petit look. Ok, 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 ok. Bon. On peut l'ouvrir ça? Comment ça on peut pas l'ouvrir? Ah si on peut l'ouvrir. Si il me semblait quand même. T'es là-dedans. Témoigner sur Sorceleur Georges. Ouais. C'est lui là, le Sorceleur Georges qui était de l'école du Griffon. Plastique, schéma épée en acier. Bah voilà. Et bébélé, bébélé. Alors il me manque un schéma. On va le trouver, on va pas sauter là. On va d'abord lire qu'est-ce qu'il raconte de beau. Alors, témoignage sorceleur Georges. C'est lui le chasseur de dragon. Je sous-signais Georges de Cagen. Sorceleur de profession atteste les faits suivants. Lors d'un voyage à Velen, je fus convoqué pour fournir une opinion d'expert concernant l'accusé Bartoslav de Lufield. Le dit Bartoslav est accusé d'avoir provoqué plusieurs naufrages près du phare dont il a la charge. Les navires mal guidés par des signaux erronés de son phare se sont régulièrement drossés contre les récifs situé près du rivage, et le gardien de phare est une responsable dans ce type d'affaires. Au cours du procès, Bartoslav a protesté de sa diligence dans l'accomplissement du devoir et porté la responsabilité des naufrages sur des spectres de minuit trompant les marins avec leurs fausses lueurs. Après enquête sur les lieux, j'atteste n'avoir trouvé nulle trace d'activité de spectres de minuit. Même constat concernant les spectres de midi, mammon, nymphes de tout type et tout type de spectres habitués à égarer les voyageurs à pied, en mer ou à cheval. J'ai en revanche découvert la véritable origine des naufrages. La faute n'incombait ni au spectre du minuit désigné par l'accusé, ni au gardien du phare. Les accidents étaient provoqués par des fauteurs de troubles du cru. Après avoir allumé des feux de nuit sur la falaise, ils allaient ensuite piller les épaves échouées sur le rivage. Je fus mis sur la piste par le fils de Bartoslav qui me montra les cendres des feux trompeurs. Mon témoignage démontre que le gardien de phare Bartoslav de Lufi n'est pas coupable des crimes dont il est accusé et doit être remis en liberté. En outre, je demande humblement au bailli de mettre le gardien de phare et sa famille sous sa protection. À la lumière des conclusions que le fils de Bartoslav m'a permis de tirer, certains voyous vont crier vengeance.
Je ne puis assurer leur protection, ayant accepté d'aller tuer un dragon qui nicherait sur la colonne de Thor Séchine. Je dois faire diligence et auxir la bête au plus vite. Signé Georges Le Cagène, sorceleur. Transcrit par Vincenzo Stock, prévôt adjoint de la préfecture royale de Girls Valette. Comment, il parle bien, lui. Tellement classe. Et c'est quoi, ça? Puissent les dieux te sourire, ainsi qu'à ma chère sœur. Je te prie de lire ce qui suit avec attention, car ce que j'ai à dire est important. Sans délai, fonce au triple galop trouver Kramer, ce wrestler de Maribor. Il dit que nous avons du matériel de premier choix et des schémas de sorceleur à lui vendre. Oui, je t'imagine en train de te gratter la tête, ou plutôt le cul, et t'exclamer « Je rêve ou quoi ?» Non, tu ne rêves pas, j'ai eu la chance d'un signe de tomber sur un sorceleur avec un pied dans la tombe et l'autre au bord. Assis à regarder le pauvre bougre souffrir mille morts, je me suis dit « Il n'a plus besoin de cet arsenal et des papiers là où il va. Le pauvre, tandis que nous, on a grand besoin d'un nouveau départ dans le monde des affaires, en vendant tout ça à un bon prix par exemple. » Je te vois tiquer là, mais ne te bile pas. Je ne lui ai pas tout pris, personne ne saura qu'il manque des trucs. C'est triste, pour sûr ce sorceleur est un type bien. D'abord il aide le baronnet avec ses soucis de phare qui envoie des navires sur les racifs. Ensuite il tue le dragon qui boulotte les paysans. Mais ça se défend, un dragon et le héros, il en a pris pour son grade. Qu'est-ce que je lis bien? Il est cuit, c'est certain, et dès qu'ils l'auront enterré dans la crypte de la colline de Thor Séchine, je fonce chez toi. D'ailleurs je me demande comment ils vont l'y mettre, on dit qu'un vampire y a fait son nid. Je l'ai tué le vampire déjà. PS, j'ai aussi piqué quelques flaques au sorceleur, comme elle risque de ne pas supporter le voyage, j'y goûterai pour voir ce que donne l'agneau du sorceleur. Ça aussi, ça pourrait se vendre. Ton beau-frère, à Balstick. Eh bien, tu as bien fait de goûter, comme ça tu es mort. Pauvre gueux, voleur, pilleur de cadavres. Hein? C'est pas bien. C'est pour ça que je ne le fais pas. Orgasme? Orgasme dans la nature? Ouais, salut. Ça va? J'ai entendu un coup d'œil. Ce marchand n'a pas les moyens? En effet. Bon vent. Bon vent à toi, le gueux. Bon, alors, je suis à Oreton, j'ai fait un petit voyage rapide. On va faire la quête principale qui est quelque part par là. Mais avant... On va affronter un des champions de Gwyn de la région. Ah, tu pêches là, toi? Ok. Alors, c'est qui? C'est pas toi. Vous y arrivez quoi, la figure? C'est pas toi. Maman m'a dit de pas parler aux étrangers. Je sais qu'il y a un enfant, mais ça doit être à Auteuil. Là. Aubreuil, pardon. Bah, c'est écrit. Adi. Je crois que c'est Adi de Aubreuil, là. Vous utilisez du bois de pin? Ouais. Bien sûr que non. Une donzelle m'en a apporté. Lui faire un berceau avec. D'accord, on parle de la pluie du beau temps. Marché des bateaux se porte mal. Oui, extrêmement mal. Tu la pâtes. Il y a pas de poisson. Hein, c'était de la pâtage. Voilà, c'est pour le faire jouer. Oh, regardez. Oh, des petites biches qui courent, c'est beau. Regardez un peu ce look. Il est tout propre. Ça manque un peu de cheveux hirsutes, je trouve. Ouais. On m'a dit que vous étiez un bon charpentier et un excellent joueur de Gwynt. Vous voulez jouer? Ouais. Oh. Faut pas exagérer. Je suis toujours partant pour jouer. Je peux pas être plus. Alors, elle est où cette quête? Elle est là. On irait pas voir là ce qu'il y a. On va aller voir là ce qu'il y a en y allant. Non. On va y aller à pied. À l'ancienne. Va-t-on. Des champignons là. Des beaux champignons, on peut pas les cueillir. Alors, c'est quoi, des noyeurs? Non, oh non, c'est propre ça, c'est. C'est civilisé. Campement de bandits. Des bandits. Très bien. Oh, il y a une cage. Une personne en détresse. Très bien. C'est une mission pour Gérald. Ah, niveau combien, les mecs? Oh, ils sont niveau 5. Oh, c'est génial. Ah, c'est bon, ça. C'est cadeau. Ah, c'est cadeau, en effet. Oh, qui c'est qui va? Vas-y, Robert, passe devant. Oh, tu as fait péter mon bouclier. C'est bien. Tu es un brave adversaire. Qu'est-ce que je fais? Allez! Je peux pas la poser, hein. Ils me laissent pas faire, ils sont malins. Oh là, niveau 5, les mecs, vous allez vous calmer direct, hein. T'as qui je suis ou pas? Ouais, voilà. Ah, ils attendent leur tour, d'accord. Tiens! C'est le chef, lui. Tiens, t'es moche. Je te tire les coucougnettes. Bam! Alors? Ça produira plus jamais. Hop là, alors c'est un peu trop haut. Toi non plus. Vous êtes trop laid pour faire des gamins. J'ai décidé. M'en fous, j'en mets une. Venez, regardez.
Il y a une bonne portée, hein. Allez, ensuite, milieu, très bien. C'est chacun son tour, hein. À gauche. Ils sont reculés. C'est des génies, les mecs. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? Tiens, toi, tu tes hommes. Tu tes hommes, j'ai dit. C'est bien. Ah merde, y'a plus personne à tuer. Moi, je vais te tuer, du coup. Tu étais un chef honorable. Enfin, un adversaire honorable. Chef honorable, je ne sais pas. Bon, clé des bandits, très bien. Oh, y a tellement de choses. Oh, je dois faire une coupure, y a tellement de choses. Je vais encore me gaver, je vais t'encombrer. J'annonce, encombrement en approche. Ben voilà, le camp est bien nettoyé, je suis même pas surchargé. Incroyable. Alors, c'est qui, ça? On va le libérer, on va voir. Ce que je ne possède pas d'or. Je n'ai rien, à vrai dire. Mais si vous passez un jour par Hardy, je vous promets une récompense inouïe. Vous verrez. C'est où, ça, Hardy, là? Allons. Alors, allez, moi. Les vieilles sorcières que j'ai vues sur les cartes. Cartes du jeu de monstres, chez mes adversaires. Je suis pas pressé de les rencontrer. Hein. Qu'est-ce qui se passe ici? Que se passe-t-il? Quelle est cette bicoque abandonnée? Ça m'intrigue, allons voir. Allons looter les trucs sans intérêt. Calme-toi, Blette. Papa n'est pas loin. Oula! Mais c'est des monstres, ça, dedans. Des petits noyeurs, niveau 6. Oh là là, c'est... Si, c'est bien. J'en voudrais. Voilà. Ah, Blette. Blette qui participe, qui me dégage, quoi. Honteux. Honteux, Blette. Tu me gênes, plus qu'autre chose, mais bon. J'apprécie l'effort, mais... Oh, je m'en sors très bien tout seul. Là. Tu t'en vas, toi? Reviens, je suis là. Oh là, comment... Putain, y'a un truc qui vole, là. Oula, c'est quoi, ce truc? C'est gros? Faut que je m'en occuper. Dégage, toi. J'ai pas de temps à perdre avec toi. Et une proie pour moi. Une proie dans les airs. Là. Voilà. Donne-moi ton cerveau. Cerveau. Elle est là. Décline ton identité. Le vol est un peu bizarre, hein. Si. Je l'aurai jamais, là. Faut que je descende. À sauvegarder, parce que je vais me faire déglinguer. Ça marche, alors? Alors, t'es niveau combien? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Niveau 9! C'est cool! Oh, je vais... Je suis grossier, ça y est. Non, je me suis repris. C'est un peu la place. Quoi? Bah oui. Faut pas voler au-dessus de moi pendant un quart d'heure, aussi. Tu vas où? Reviens. Sale bête. Quoi? C'est pas méchant, ça, que tu veux dire? Tu vas me faire croire que... Je crois que tu manges des plantes, hein. Fais des bruits de touche. Hein. Allez. C'est une wyverne, ça. Comme ça, une wyverne. Hein. T'es pas très fort. Écaille de dragon. Mutagène de wyverne. Je sais pas pourquoi, mais ça m'excite.